Soyez, soyez esprit, soyez esprit. Soyez esprit. Vous êtes de l'invisible pour le visible, pour l'invisible. Soyez esprit avec un E majuscule. L'Esprit Saint, l'Esprit de feu, l'Esprit de lumière, l'Esprit qui va transformer ce monde. Soyez esprit. Soyez esprit. Soyez esprit. Embrassez cet Esprit Saint. Grandissez dans l'Esprit Saint. Mettez-vous en prière méditative afin que l'enseignement vous soit donné et révélé. L'heure est venue de s'enseigner, d'être enseigné. Sois esprit. Demande à la source divine l'enseignement qu'il te faut. Elle ne viendra pas de ton pasteur, de ton prêtre, de ton imam. L'enseignement de l'esprit ne viendra pas de ces personnes. Ces personnes ont une mission qui est de t'enseigner les écrits que les hommes ont laissés. Des écrits de témoignage et des écrits de témoignage d'hommes de Dieu qui ont cru en Dieu pendant une période donnée. Mais ces prêtres, imams et pasteurs ne pourront pas t'enseigner l'esprit. L'esprit avec un E majuscule. Sois esprit et tu verras. Et tu verras la vérité. Tu verras cette vérité. Grandis spirituellement. Grandis spirituellement. Quitte l'école élémentaire de la spiritualité qui est la religion. Grandis. Vise l'université de la spiritualité, vise le haut niveau, car tu en es capable. Tout est en nous, nous sommes esprit, et nous demeurons esprit. Nous sommes l'Église, le temple de Dieu est en nous. Et c'est à toi d'en prendre conscience et de te lever pour faire en sorte que cet esprit demeure en toi.